Salam alaikum les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Je vous reviens donc après les vacances. Aujourd'hui, nous sommes lundi de la rentrée. Donc, j'espère que la rentrée de vos enfants, votre rentrée à vous, si les mamans, si vous voyez ce que je veux dire, c'est bien passé. Je pense qu'on est toutes pareilles avec les mamans. Hein. On a un petit peu de tranquillité à la maison. Parce que les gamins entre eux, ils se battent et tout, c'est des cris. Enfin, bon, bref. Dites-moi vous aussi si c'est la même chose. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est une vidéo des produits terminés. Ça faisait un petit, même un grand moment que j'avais pas fait ça sur ma chaîne. Très longtemps d'ailleurs. Donc voilà, des produits de shampoing, enfin de soins, je sais pas s'il y en a. Si, peut-être un ou deux. Mais bon, bref, des produits, des soins, voilà quoi, c'est ce que je veux dire. Donc voilà, donc c'est parti, let's go. Donc, je vais prendre au pif un en sachet, parce que j'ai mon sachet à côté. J'ai pas cumulé tout ça en plusieurs... comment vous dire? Alors, je vous dis, ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo, mais je vais dire ce que j'ai. J'ai une vingtaine de produits, je pense. Voilà, à vous présenter. Bien sûr, entre-temps, j'en ai jeté plein. C'est ça que je veux dire. C'est que j'ai pas gardé tout. Je crois que ça fait un an, je sais même plus combien de temps j'ai. Ça fait combien de temps que j'ai pas fait de vidéo produit terminé. Je sais même pas, l'année dernière peut-être. Je pense que ça doit être l'année dernière. Enfin bon. Donc, premier produit, comme je vous ai dit, je vais prendre au pif. Donc, il n'y a pas de thème, enfin de. Comment vous dire. De catégorie. Hein. Je vais faire vraiment les produits à l'arrache, entre guillemets. Voilà, donc le premier produit c'est celui-ci de chez L'Oréal, donc c'est le Botanicals. Donc c'est une préparation concoctée avec des ingrédients botaniques. C'est un shampoing nourrissant pour cheveux secs sans silicone, donc pour un toucher cheveux naturels. Voilà. Formule vegan, donc franchement les filles, ça j'aime bien, je vais racheter en tout cas la gamme Argan et Cartam. Je vais racheter, j'aime beaucoup le produit là. Je ne sais plus combien il coûte, 6, 8, je ne sais plus, j'avais acheté en promotion. Il est, comment vous dire, il est par rapport à son prix, pour celles qui disent que le produit est cher, entre guillemets. Les mamans, on va se comprendre entre nous. Il est économique, vous n'avez pas besoin vraiment de pompe. Moi, pour la taille de mes cheveux, donc c'est mi-long, je prends 2 pompes. Voilà, largement. Il y a 400 ml dedans, il est vraiment économique. Ensuite, dans la même gamme, le masque argan, pareil, nourrissant, super génial. Par contre, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup dedans, 200 ml, c'est pas énorme. Parce que les masques, on en met un peu plus que le shampoing, parce que le shampoing est moussant, donc on peut faire toute la chevelure. Mais celui-là, je trouve qu'il a... pas un peu vite quand même. Donc voilà, mais le produit est, en lui-même est franchement super. Pareil, formule vegan à 98% d'origine naturelle. Franchement, celui-là, je le conseille vraiment. Il est vraiment bien. Ensuite, un gel de douche, donc une douche crème de chez Dope. Donc c'est le au citron. Super, super odeur. Moi, je kiffe, hein, franchement, l'odeur comme ça. Les Dope en général, hein. Mais celui-là, franchement, pourtant, je suis pas cake au citron et tout, hein, mais celui-là, il sent trop bon. Donc, au parfum de 4 quarts citron, franchement, celui-là, les filles, c'est pour celles qui aiment le citron, allez-y. Il faut pas avoir faim. Parce que, après avoir appliqué ça, franchement, on a envie de faire un gâteau au citron. Je suis pas citron, mais on a envie de faire quelque chose, une petite pâtisserie. Ensuite, un masque pour les cheveux donc de chez Energy Fruit. Donc 0% de sulfate, donc coconut, coco et beurre de karité bio. Voilà. Donc pareil, 95% d'ingrédients d'origine naturelle, cruelty free and vegan, donc non testé sur les animaux et vegan. Pas ouf. Franchement, pas ouf. Pas ouf. Voilà. Je pense pas que je vais racheter. Mais l'après-shampoing de cette marque-là, si je vais. Je sais pas si j'en ai. Non, j'ai pas. Mais en tout cas, l'après-shampoing, je rachèterai. Mais ça, je vais pas racheter. Je trouve
trouve pas, en tout cas pour mes cheveux, hein, pour celles de ma fille, de mes filles en général, je trouve pas qu'il passe quelque chose d'exceptionnel. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Ensuite, un shampoing de chez Gliss, donc de chez Schwarzkopf. Winter Repair Shampoo. Donc, avec, je ne sais pas, c'est en anglais. Comme je vous ai dit, moi, l'anglais, c'est pas trop ça. Donc, il protège contre je ne sais pas quoi. Antistatique, je vous mettrai en bas. Quand j'aurai fait la traduction, je vous mettrai en bas. Donc voilà, celui-là, j'aime beaucoup. Il y en a un autre que j'aime encore vraiment, vraiment mieux. C'est à Lolaplex, je crois, si je ne me trompe pas. J'essaierai de vous mettre la photo ici. Que je trouve... c'est un après-shampoing ou c'est un masque? C'est un après-shampoing. Oh, il est génial. Celui-là, il est violet. Je ne l'ai pas là, je ne l'ai pas gardé, je l'ai jeté. Génial. De toute façon, celui-là aussi, il est bien aussi. Mais je préfère l'après-shampoing. Ensuite, donc c'est un, comment dire, c'est un fixe maquillage, un fixateur de maquillage, donc de la marque Marc, donc c'est le Magix, donc il matifie, donc c'est un spray qui matifie après le maquillage. J'aime pas du tout, j'ai terminé pour le terminer. Mais j'aime pas du tout parce que je trouve qu'après l'application du spray, ça me fait une peau un peu plastifiée, je sais pas comment vous dire, pas agréable. J'aime pas, je le rachèterai pas du tout. Mais j'ai pas aimé du tout le fini qu'il avait sur ma peau, vraiment. Ensuite, pour rester dans ce qui est gel douche et compagnie, le Cottage, bien sûr. Smoothie Passion, donc douche, lait, hydratant. Voilà, ça je kiffe les Cottage, vraiment bien, rien à redire, vraiment bien. Et l'odeur, passion. Voyez-vous, ensuite, ce produit-là que vous voyez que j'ai pas fini parce que j'ai pas aimé du tout. C'est un peu contradictoire parce que je vous ai dit pour le spray fixateur. J'ai pas aimé, mais je l'ai fini quand même. Mais il y a un mini fond quand même. Je sais pas si vous le voyez. Voilà. Mais celui-là, j'ai pas aimé du tout. Je l'ai acheté chez Action. Je le rachèterai pas. Voilà. Je trouve pas qu'il fasse. Je trouve pas qu'il fasse son job. Voilà. Surtout pour le waterproof parce que il enlève aussi les maquillages waterproof. Non, j'aime pas. J'aime pas. Ensuite, prochain produit, c'est ceci, donc les patchs pour le nez que j'ai acheté chez Action, que je trouve inefficace, en tout cas pour ma part. Vous voyez, il y en a encore deux à l'intérieur, je crois qu'il y en a six. Inefficace, donc je ne vous le conseille pas. Et pareil, dans la même gamme de produits, Bioré, celui-là, il y en a six, il m'en reste un. Je vais pas dire pareil que celui chez Action. Parce que la marque Bioré, elle est vraiment bien pour les peaux imperfections, les peaux grasses. C'est un beau produit, voilà. Celui-là, j'ai, on va dire, entre les deux, voilà. Je ne le rachèterai pas, mais il est efficace, mais sans plus, voilà. J'ai connu mieux. Ensuite, un dentifrice, donc émail diamant, cure intense blancheur. Je trouve qu'il est trop cher pour ce qu'il fait. Je vais reformuler. Il est trop cher pour ce qu'il promet parce qu'il ne le promet pas. Voilà, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui! Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, je t'ai coupé par mon fils. Vous voyez ce que je veux dire? Il promet une blancheur au bout de... Donc, jusqu'à 4 teintes, blancheur gagnée en 3 semaines. Je l'ai utilisé plus d'un mois, même 2 mois. Hein, 2 mois. Je trouve pas qu'il est... 4 teintes, ils n'étaient pas là. Voilà. Une teinte, et encore. Pourtant, je me brosse les dents 2 fois par jour. Donc, matin et soir.
J'utilise, vous savez, j'ai fait une vidéo sur le blanchiment, enfin sur ce que je fais pour blanchir mes dents, le charbon. Voilà. Ça, j'utilise quasiment, on va dire, 3-4 fois par semaine. Voilà. Parce que là, avec les vacances, je vous dis pas, je ne l'ai pas ramené avec moi. Du coup, je vous raconte pas, la blancheur de mes dents, la blancheur, parce que j'aimerais vraiment avoir les dents un peu plus blanches que ça, c'est atténué avec les vacances. Du coup, quand je suis revenue, je vous dis pas, j'ai brossé, brossé, brossé. J'ai brossé, vraiment brossé. J'ai brossé mes dents. Au lieu de faire du coup 3 fois par semaine que je vous disais, j'ai fait tous les jours. C'est pas bon. C'est pas bon. Voilà, parce que c'est un peu abrasif pour vos dents. Mais après, c'est un produit naturel. Mais je vous dis, pour essayer de retrouver un petit peu ma blancheur, ce qui n'est pas encore satisfaisant pour moi, hein, vraiment pas. Voilà, j'ai vraiment, pendant une semaine, essayé de brosser mes dents pour qu'elles deviennent blanches. Donc voilà, pour ce produit, je ne la rachèterai pas. En plus, il coûte 6-7 euros ce bazar-là. Et du coup, j'ai pas vu l'efficacité du produit. Donc, comme je vous disais, c'est cher pour ce qu'il n'a pas fait, en fait. Ensuite, le prochain produit, c'est le contour des yeux de chez Diadermine. Donc, le Lift Plus Super Contour. Donc, c'est un gel. C'est un gel. Donc, c'est pas une crème, c'est un gel. Je trouve, franchement, je trouve vraiment bien ce produit-là. Vraiment bien. Franchement, effet push-up. Effet push-up très légèrement, mais je trouve qu'il hydrate pas mal mes yeux, mon contour de l'œil, parce que j'ai un contour de l'œil, je sais pas si vous voyez quand même, je suis creusée ici, hein, et mon contour de l'œil est très déshydraté parce que je me suis pas bien occupée de mon contour de l'œil pendant les vacances. Donc voilà, franchement, je trouve que c'est un bon produit que je rachèterai aussi. Ensuite, une crème donc de chez Diadermine toujours. Donc c'est une crème nuit. Je ne sais pas si vous allez le voir. Donc c'est une crème nuit expert ride. Je trouve que voilà, et elle hydrate. C'est une crème riche. C'est pas naturel, enfin naturel. Il n'y a pas de produit naturel, hein, c'est chimique. J'aime bien. Voilà. Je rachète quand il est en promo. C'est pas très cher, mais c'est vrai que quand il est en promo, il est avec son acolyte. Donc le... Ah, je l'ai pas là. Ah, je l'ai pas là. Si je l'ai ou pas? Si je l'ai. Bah, c'est pas vraiment son... Dans la même gamme. Parce que celui-ci, c'est Expert Ride Nuit. Et celui-ci, c'est le Lift Plus Sublimant Jour. Voilà. Les deux combinés, franchement, j'ai trouvé ma peau... Ma peau hydratée. Voilà. Ça a pas fait le job au niveau des rides. Mais je l'ai trouvé hydratée. Voilà. Un peu plus pulpeuse. Ensuite, le produit que j'aime et que je rachète tout le temps, franchement, celui-là, il est cher. J'essaie hein, quand il est en promo, de l'acheter. Parce que à lui seul, je trouve que c'est une vingtaine, voire 25 euros, je crois. Voilà, c'est le sérum végétal de chez Yves Rocher. Donc, rides et éclats, soins lissants. Soins lissants. Je vois vraiment l'effet sur ce produit-là. Je vois vraiment l'effet lissant. Je crois que c'est le troisième, quatrième que j'achète. En promo. Je précise parce que 25 euros le produit. Je crois que c'est 25. J'essaierai de vous le mettre sur l'écran ou en barre d'infos. Efficace. Soin lissant. Moi, j'aime bien, en tout cas. Pour ma part, je trouve efficace. Je retrouve vraiment ma peau lisse. Pas... Je veux dire, ça, ma peau, elle ne change pas de texture. Hein. Mais je vois au toucher qu'elle est vraiment plus lisse. Voilà. J'aime vraiment ce produit-là. Même dans cette gamme, hein, sérum visage. Sérum végétal, j'aime vraiment cette gamme-là. Ensuite, toujours chez Diadermine, c'est le masque. C'est le masque expert fondamental. Masque que j'ai trouvé bien. J'ai vraiment trouvé bien. Je l'ai trouvé quand ma peau était... comment vous dire,
Je trouve que ce produit-là, donc le masque, t'es coupé encore une fois. Quand ma peau avait vraiment besoin de. Était vraiment sèche, en manque d'hydratation, en manque d'eau, entre guillemets, ce masque-là m'a aidé. Franchement, ce masque-là m'a aidé. Après, ce qui est dommage, c'est que. Il est vraiment. Franchement, je l'aime bien. La vérité, je l'aime bien. Après, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup dedans. Mais franchement, je l'apprécie beaucoup ce produit. Je rachèterai de toute façon. Les deux produits que j'aime bien chez Diadermine, c'est les trois, pardon. Donc c'est celui-ci, le nuit, la crème nuit et le contour gel des yeux. Voilà. Ça, je les aime beaucoup. Ensuite, tac, je bug. Ensuite, le prochain produit, c'est un masque. Donc un masque lissant à l'argile de chez. Il a séché, il reste un peu, mais il a séché. De chez L'Oréal. Donc c'est le masque à l'argile pure, donc l'argile rouge. Pourquoi l'argile rouge? C'est bien pour les peaux sèches. Voilà. L'argile verte pour les peaux sèches, je ne vous conseille pas du tout. Parce qu'elle va plus assécher votre peau. Je ne sais pas si vous le saviez. Voilà. Celui-ci, il est très bien. Pourquoi? Parce qu'on peut l'utiliser en masque et on peut l'utiliser en gommage. Parce qu'il y a des petites graines à l'intérieur. Moi, j'utilisais pour les deux. Voilà. En masque, je trouve qu'il illumine un peu plus la peau. Voilà. J'aime bien. J'aimerais bien tester la bleue. Ils ont sorti une bleue. Je ne sais plus quel est son soin. Donc voilà, celui-là, je rachèterai aussi. Ensuite, je ne vais pas parler 15 ans sur chaque produit. Je vais vous montrer celui-ci qui est le Vichy. Je ne sais pas si vous le voyez. Voilà. Le Vichy Lift Active Suprême Jour. Oh, celui-là, je l'ai vraiment kiffé hein, pour vous dire, regardez. Il est vide. Il est vide. J'ai vraiment aimé. Franchement, je l'ai vraiment kiffé. Je l'avais acheté la période de Noël. Avant, donc quand ils faisaient les coffrets de Noël et tout. J'avais acheté ça, mais il y a aussi un que j'ai pas encore utilisé. C'est une crème gel désaltérante. J'aime pas. J'aime pas. J'aime pas du tout. Mais celui-là, franchement, je le rachèterai. Je sais pas s'il existe en grand format. Mais celui-là, je le rachèterai, c'est sûr. Vichy, en plus, c'est une bonne marque. Je le rachèterai. Ensuite, vous voyez, je n'ai pas terminé ce produit parce que je ne trouve pas efficace du tout. Voilà. Donc, c'est une eau micellaire démaquillante. Donc, ils disent démaquille. Ils disent démaquille et nettoie au premier passage, peau nette et apaisée. Non. Franchement, le meilleur que j'ai testé, qui nettoie vraiment le maquillage, que ce soit waterproof ou normal, c'est le Garnier. Le jaune. Oh, le biphasé, c'est le meilleur. Celui-là, bien sûr, je vais le jeter, je vais pas terminer, j'ai pas aimé. Je trouve que j'agresse ma peau à force de frotter surtout les yeux. Enfin, bref. Ensuite, dernier produit, parce que j'ai ma batterie qui va bientôt me lâcher. Celui-là. Ça, je sais pas si c'est espagnol, j'allais dire allemand. Je sais pas si c'est espagnol ou bref. Donc, c'est un. Je peux dire un fond de teint. Si, je pourrais dire un fond de teint. Je pense à un fond de teint. Parce qu'il n'est même pas en. Il n'est même pas en français derrière. C'est soit en polonais, soit en anglais. Je l'avais acheté. Je sais plus où je l'avais acheté. Internet? Je sais plus. Je sais plus où j'ai acheté. Pour vous dire, il est encore. Hein, il est un peu plus de la moitié encore à l'intérieur. Je l'ai mis sur ma peau. Ça me piquait les yeux. Pourtant, hein, je ne l'ai pas mis sur les yeux. Hein, juste ma peau. Mais ça me piquait. Je pleurais. Mes larmes venaient toutes seules. Hein, tellement j'ai du mal à supporter ce produit-là. Donc celui-là, c'est le Bielenda, le Total Look Makeup Nude Glow. Franchement, je n'ai pas aimé du tout. Je vais le jeter. Je me demande s'il n'y a pas des produits, je ne sais pas quoi dedans. Mais en tout cas, ma peau n'a pas supporté. Et je ne sais pas si je rejette des. Enfin bref. Je vous disais, hein, j'avais les yeux qui pleuraient. Je vous disais donc, mon make-up était foutu parce que j'avais les yeux qui pleuraient. Je frottais, enfin bref.
C'était juste pas possible du tout, du tout, du tout, du tout. Donc voilà, je suis censée poser cette vidéo de produits terminés. J'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, hein. J'ai pas trop parlé. Et puis, voilà, j'essaierai de vous mettre du coup les liens de ce que je peux. En tout cas pour les Yves Rocher et Diadermine. Même Diadermine, maintenant, vous pouvez les trouver même chez Action. En tout cas pour les Yves Rocher et 2-3 produits là que vous pouvez trouver, que j'ai acheté sur internet, je vous les mettrai en barre d'infos, Inch'Allah. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je me répète. Et puis je vous fais des gros bisous, je vous dis à une prochaine vidéo, Inch'Allah. Portez-vous bien. Bye.